Je pense qu'on est bon maintenant parce qu'on avait un petit compte à rebours, n'est-ce pas? Moi, j'ai un message qui me dit qu'on est en live, Laurence, Alors sur on y mon va, c'est écran. parti. Donc sur un petit air de musique ce soir à l'Institut français donc de Valencia, on va vous proposer là pour notre semaine francophonie un concert de Benjamin Pia. Benjamin, bonsoir. Bonsoir, Laurence, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, on est très contents et très heureux donc d'accueillir Benjamin qui va nous faire un concert de guitare et de chant. Et vous verrez, comme il sait si bien le dire, il défend la langue française, mais par contre, les rythmes musicaux sont toujours internationaux. Donc, on va écouter tout ça ce soir et puis je vais laisser la parole à Benjamin pour qu'il puisse vous raconter sa petite histoire et comment il est arrivé là pour faire des concerts dans le monde entier. C'est ça qui est intéressant. Bon, Benjamin, bonsoir. Et puis, bienvenue à vous tous qui êtes connectés ce soir avec nous pour écouter ce concert. Bonne soirée, à bientôt. Merci Laurence, merci pour cette présentation. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous présenter mon nouvel album. Il s'appelle Eldorado et il est justement inspiré de l'Amérique latine. J'ai eu la chance de faire un voyage il y a quelques mois au Venezuela et j'ai découvert la culture latine, caliente, les instruments incroyables, la rythmique incroyable, les mélodies fabuleuses. Et c'était très inspirant pour moi, et donc j'y ai mêlé la chanson française, puisque je chante en français. Et je vous propose ce soir ce nouvel album, il s'appelle Eldorado. Ça commence par un morceau qui s'appelle Venez. Allez, venez, venez, je vous emmène. Je vous emmène loin, loin, loin de la maison du quartier. Loin du quotidien, venez tchèder et danser. Danser fait du bien, venez tout déhancher. Ça, ça coûte rien. Si le matin est gris, regardez les couleurs. Si ainsi va la vie, allez rencontrer des rêveurs. Se dire qu'il est possible un jour ensemble de ne plus avoir peur. Puis s'évader, vous trouverez au fond de vous, beaucoup de vous, un peu de nous. La danse pour oublier la peine qui nous porte et qui nous emmène. On équilibre sur un fil, des acrobates qui défilent, filent, filent. Allez, venez, venez, je vous emmène. Je vous emmène loin, loin de la maison du quartier, loin du quotidien. Venez tchéder et danser. Danser fait du bien, venez vous déhancher. Ça, ça coûte rien. Pour oublier les balles, on se prend dans les bras. Pour oublier la dalle, on se dit qu'on y croit. C'est dire qu'il est possible un jour ensemble de ne plus avoir peur. Puis s'évader, vous trouverez au fond de vous, beaucoup de vous, un peu de nous. La danse pour oublier la peine qui nous porte et qui nous emmène. En équilibre sur un fil, deux acrobates et des piles. Allez, venez, venez, je vous emmène. Ouais, je vous emmène loin, loin de la maison du quartier, loin du quotidien. Venez, tchèver et danser. Danser fait du bien, venez vous déhancher. Ça, ça coûte rien. On oublie ce qu'il y a dehors, on oublie que la vie est dure. Un sourire tatoué sur ton corps, l'espoir notre futur. Et si l'espoir n'est plus, que l'on maudit l'endroit. Que l'ambiance est tendue, la musique est là. Allez, venez, venez, je vous emmène. Je vous emmène loin, loin de la maison du quartier, loin du quotidien. Venez tchéder et danser, danser fait du bien, venez vous déhancher, ça, ça coûte rien, c'est cadeau.
Alors, le prochain morceau est un morceau qui est le single du nouvel album. Il s'appelle La Caipirinha Caie. Et c'est un morceau que j'ai eu la chance de réaliser en clip avec un jeune garçon qui s'appelle Johan Bonheur, qui réalise des clips en dessin animé, en animation, en 2D. C'était un rêve depuis très longtemps de faire un clip comme ça en dessin animé. Ça a été beaucoup de travail. Il a passé presque 4 mois, entre 3 et 4 mois, à réaliser ce clip. Si vous souhaitez aller voir sur YouTube, il vient d'être diffusé. Il s'appelle La Caipirinha Caie. À Buenos Aires ou à Lisbonne, dans ton jardin, ta chambre de bonne, le temps d'une pause ensoleillée, un cessez-le-feu dans ta journée. Zapper les tracas, les soucis, lester le stress de la vie, se ressourcer avant tout, un bol d'air frais, faire le grand tour. Je crois bien qu'on en a tous envie, je crois bien qu'on en a tous besoin. Si on s'enivre et on rit, destination dans le refrain. La Caipirinha Caie, on fait le sourire voler, de la musique et des parfums, des rythmes fous tout en latin. La Caipirinha Caie, sur le trottoir l'été, de la folie tous les matins. À la Caipicaillé, yeah, 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 regarde bien ce que l'on fume, la vie, la vraie, les moteurs, à y ombrer, je suis ailleurs, changer d'endroit, changer de tête, je veux voir du monde, je veux faire la fête, j'ai bien mon ticket pour ailleurs, un ticket pour la bonne humeur, yeah, 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 yeah. Et comme ça, pourquoi pas danser? Comme ça, pourquoi pas chanter? Jusqu'au matin, jusqu'à crier. À la Caipirinha, la Caipirinha Caie. On fait le sourire voler, de la musique et des parfums. Des rythmes fous qui font latin. La Caipirinha Caie, sur le trottoir l'été, de la musique et des parfums. À la Caipirinha Caie. Yeah, 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 yeah. Si tu as décidé de rester, si tu es là de l'autre côté, je t'envoie un peu d'ailleurs, en décalage à la bonne heure. Si tu veux l'air le renouveler, si tu es là de l'autre côté, les nouvelles de la cahier sont bonnes alors. Alors allons la chanter. Yeah, 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 yeah. Merci à vous. Alors, je vois pas en direct si combien vous êtes, si vous avez des questions. Alors, peut-être que Laurence ou Leïré pourront m'envoyer en chat les éventuelles questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je propose de faire le set comme ça en deux parties. Je fais une première partie comme ça et puis je ferai une petite pause au milieu pour discuter avec vous et que ça soit un concert voilà, en live stream, mais malgré tout assez interactif, qu'on puisse échanger et partager ensemble. Pour l'instant, j'ai pas de message. Le prochain morceau s'appelle Le Sentier des Cascades. C'est un morceau du précédent album, Frenchie. Ça s'appelle Le Sentier des Cascades. Lèverez-vous un beau matin au milieu d'un puits de lumière, traverserez-vous tous les chemins, allez respirer un autre air, trouverez-vous le parfait terrain
censé tutoyer l'atmosphère. Et d'évidence, vous ne voyez rien. Alors, suivez les empreintes dans la terre. Connaissez-vous le fameux chemin qui mène au sentier des cascades? Patientez, je vous tendrai la main de l'autre côté du rivage. Trouverez-vous un jour ce chemin, un rendez-vous dans les nuages? La parenthèse d'un quotidien sauvage, si sauvage, suivez les lignes, le bas visage. Jusqu'à la fin de la course, souhaiteriez-vous davantage? Allez-vous perdre dans la brousse? Montez la corde des échelles dans les vallées du fleuve roux. Passez la colline des demoiselles et écoutez les collets. Connaissez-vous le fameux chemin qui mène au sentier des cascades? Patientez, je vous tendrai la main de l'autre côté du rivage. Trouverez-vous un jour ce chemin, un rendez-vous dans les nuages? La parenthèse d'un quotidien sauvage, mais c'est sauvage. On longera de vastes forêts, veillez à ne pas vous y perdre. Sachez qu'il n'y a pas de secret, qu'un peu de temps qui se révèle. Enfin, on grimpera au sommet, constatez que la terre est ronde. N'oubliez jamais que l'on mène une vie d'instant de seconde. Connaissez-vous le fameux chemin qui mène au sentier des cascades? Patientez, je vous tendrai la main de l'autre côté du rivage. Trouverez-vous un jour ce chemin, un rendez-vous dans les nuages? La parenthèse d'un quotidien sauvage, une si sauvage. Connaissez-vous le fameux chemin qui mène au sentier des cascades? Patientez, je vous tendrai la main de l'autre côté du rivage. Trouverez-vous un jour ce chemin, un rendez-vous dans les nuages? La parenthèse d'un quotidien sauvage, oui, c'est sauvage. Ok. Alors le morceau qui suit est un morceau un peu particulier, toujours de l'album Frenchie. Sur cet album, on a eu la chance avec mon équipe de beaucoup voyager, faire quelques concerts en France, mais aussi un peu à l'étranger. Et ce concert, enfin ce morceau a été inspiré d'un concert fait dans le sud des États-Unis. Alors, faut s'imaginer un peu dans l'ambiance du sud des États-Unis, du jazz, New Orleans, noir américain. Et ce morceau a été une collaboration avec deux musiciens, Jack Amblin et Holly Clarkson, qui sont deux musiciens incroyables. L'un joueur de clarinette, l'autre de washboard. Et c'est un morceau qui s'appelle Sain et Sauf. Ça fait quelque chose comme ça. Respirer un peu mieux, apprendre à vivre heureux, suivre les gens. Aimez-vous quand même, s'inventer petit routard, se lancer, prendre la barre, prendre un ticket pour ailleurs. Penser le monde est meilleur, s'éloigner du circuit, être fort, être en vie, se sentir pousser des ailes. Monter haut dans le ciel, s'élancer, ouvrir les yeux, courir, se mouvoir un peu, voir si ici ou ailleurs, voir si le monde est meilleur, assister jusqu'à l'aurore. Se souvenir des temps forts et se souvenir qu'on est bien.
On est sauf qu'on est seul, mais quelqu'un revient. La vie est toujours à vue, chercher à se perdre de vue, si ici ou ailleurs, si le monde est meilleur, fuir un peu le pays pour retrouver l'envie d'aimer l'autre pour ce qu'il est, d'aimer les couleurs en vrai, pour un jour ouvrir les yeux, bien grand ouvrir les deux, un jour s'inspirer d'ailleurs, si le monde est meilleur, pour un jour sourire c'est mieux, ne penser qu'aux jours heureux, toujours se sentir en vie, se dire qu'on est bien ici. C'était juste à l'aurore, souvenir d'être enfant, souvenir qu'on est bien, qu'on est sauf, qu'on est sain, qu'on est quelqu'un de bien. C'était juste à l'aurore, souvenir d'être enfant, souvenir qu'on est bien, qu'on est sauf, qu'on est sain, qu'on est quelqu'un de bien. La 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 la. La 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 la. Ok. Alors pour le dernier morceau de cette première partie, c'est une chanson d'amour. On m'a dit qu'en faisant de la chanson française, il fallait passer par cette étape de faire une chanson d'amour. Alors, l'idée m'a assez plu. C'est un morceau qui s'appelle Marquise. Dites-moi des mots doux à voix basse, à la place d'en mettre partout. Faites des phrases à l'allure, sans sas, quelle classe de boire à son dégoût. Vous voir si belle aujourd'hui me fait dire que je suis bien lui. Il est l'heure de vous faire la cour, fuyez ou gardez votre humeur. La marquise a l'humour, glacée a toujours brûlé par son cœur. Mademoiselle, je suis à vous, comme l'étoile à son ciel, hein, j'avoue. Embrassez-moi s'il vous plaît, comme un retour de mon cou. Tournez, tournez sur vous-même et refixez un rendez-vous. Embrassez-moi s'il vous plaît, comme un retour de mon cou. Tournez, tournez sur vous-même et refixez un rendez-vous. Mystérieuse, sensuelle aux abois, j'y crois comme pierre précieuse. Retour à nos premières fois, autant des prières silencieuses. Ma douce, revenez là, ne partez qu'à l'aube, ne partez qu'à l'aube. Oh, embrassez-moi s'il vous plaît, comme un retour de mon cou. Tournez, tournez sur vous-même et refixez un rendez-vous. Embrassez-moi s'il vous plaît, comme un retour de mon cou. Tournez, tournez sur vous-même et refixez un rendez-vous. Le marchand de sable est entré, passage et des histoires de femmes. Je perds donc toute lucidité. Dans ce palace né chez Orphée, j'aimerais-t-on vous revoir. Refixons-nous un rendez-vous. Oh, embrassez-moi s'il vous plaît, comme un retour à mon cou. Tournez, tournez sur vous-même et refixez un rendez-vous. Embrassez-moi s'il vous plaît, comme un retour à mon cou.
retourner sur vous-même et refixer un rendez-vous. Refixons-nous un rendez-vous. Refixons-nous un rendez-vous. Refixons-nous un rendez-vous. Merci à vous d'être présent pour ce live. Alors peut-être que Leïré ou Laurence de l'Institut français peuvent me faire un retour des éventuelles questions ou des éventuels retours. Pour l'instant, j'ai pas d'informations sur mon écran. Je suis absolument tout seul. Je suis ravi en tout cas de vous présenter ce nouvel album Eldorado. Rebonsoir tout le monde. Alors, généralement, quand il y a un concert comme ça, on dit, bon, c'est du live, c'est en direct, voilà. Bon, c'est un peu pareil sur les réseaux. Il y a quelques petits soucis techniques. En tout cas, encore une fois, je suis très heureux de présenter ce nouvel album à Valence, pour l'Institut français de Valence. Et on reprend pour la deuxième partie avec un morceau qui s'appelle « Univers », qui est aussi extrait du nouvel album « Eldorado ». Je suis très heureux de jouer ce soir. Ok. Grenade, Martinique, on les ailes, toi les îles. Faut tomber en amour du voyage. Loin de ma ville natale, j'ai plongé dans ton univers. Vole mon univers. Au champ des parcours, les Antilles. Soleil, mer des Caraïbes, vole mon univers, dans son univers. Vole mon univers, dans son univers. Des nuances, des couleurs, sur chaque peau, chaque fleur, tombée sous le charme de Moiselle, rencontrée à Bellefontaine. Enchantée, elle monte ta main sur ma joue. Y'a pas de jeu sans nous. Y'a pas d'enjeu quand on s'envole. Vole mon univers, dans son univers. Y'a pas d'enjeu quand on s'envole. Vole mon univers, dans son univers. Grenade, Martinique, moi les ailes, toi les îles. De tomber. Orange, mon œil, les odeurs qui font battre mon cœur. Enchanté, tellement que ta main sur ma joue. Y'a pas de jeu sans nous. Y'a pas d'enjeu quand on s'envole. Vole mon univers, dans son univers. Y'a pas d'enjeu quand on s'envole. Vole mon univers, dans son univers. Destination, vole mon univers, dans son univers. Y'a pas d'enjeu quand on s'envole. Vole mon univers, dans son univers. Destination, vole mon univers, dans son univers. Alors, le prochain morceau est un morceau spécial pour Valence. Je vais vous dire pourquoi. J'ai eu la chance sur ce nouvel album de créer plein de collaborations avec des musiciens, des cuivres, des percussionnistes d'Amérique latine. J'ai invité un joueur de quattro, une petite guitare avec quatre cordes, vraiment spécialement conçue là-bas en Amérique latine. Un joueur de bombo aussi, un tambour argentin.
Et sur ce morceau, j'ai eu la chance de faire un featuring avec un chanteur qui s'appelle Sergent Garcia, que vous connaissez peut-être. C'est un chanteur justement qui habite à Valence. Alors c'est assez amusant parce que j'ai écrit le morceau et il parle. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, mais c'est assez étonnant. Juste pour vous donner un petit indice, il est en train de reconstruire un bateau qui a échoué en fait lors de la tempête, une tempête, je ne sais plus exactement laquelle, mais il est en train de le retaper, ce bateau-là. Et ça lui a parlé quand je lui ai envoyé le morceau avec le texte que vous allez entendre. Et on a eu la chance de faire ce morceau ensemble. Alors, pensez un peu à Valence. Merci Laurence. On doit être sensé, éviter la pluie, pas facile tous les jours de décrocher la lune. On chavire, on navigue, on fait face à l'orage, on essuie la tempête, on remet les voiles, pas facile tous les jours de gagner la fortune. Pour de vrai, aviser notre Eldorado, on n'a pas tous le même bateau, tous le même drapeau. Pour de vrai, la mise est notre Eldorado, pas tous le même bateau, pas tous le même drapeau. On y met du courage, on y met du partage, on y met les moyens, toujours face à l'orage, on doit chercher loin ce qu'on a au fond de soi. On garde ensemble l'envie de se connaître, l'envie de s'écouter. Pourquoi pas peut-être ensemble un jour à deux donner la vie. Car pour de vrai, la vie c'est notre Eldorado. Pas tous le même bateau, pas tous le même drapeau. Car pour de vrai, la vie c'est notre Eldorado. Pas tous le même bateau. À tous le même drapeau. On s'amuse, on sourit, on se divertit, on oublie les soucis. On pense à la vie, on pense à nos enfants et on se bat aussi. Car pour de vrai, la vie c'est notre Eldorado. On n'a pas tous le même bateau, pas tous le même drapeau. Car pour de vrai, la vie c'est notre Eldorado. Pas tous le même bateau, pas tous le même drapeau. On n'a pas tous le même bateau, pas tous le même drapeau. Car pour de vrai, la vie c'est notre Eldorado. Pas tous le même bateau, pas tous le même drapeau. Même Eldorado, même Eldorado, même Eldorado, le même Eldorado. Même Eldorado, même Eldorado. Spécialement pour Valence et pour Sergent Garcia. No, no, no.
à Buenos Aires. Il y a ce drôle d'oiseau dans les airs, au-dessus de la mer. Il y a le décalage horaire, 8 heures en Angleterre. Mais il est quelle heure dans les airs? Des boulevards bondés d'autocars, les rues des bombos, des kebabs, le tonneau de la taille d'un immeuble, une femme et son bébé tout seul, marchand de Kleenex dans la ville, les phares des bagnoles qui scintillent, et puis le souffle du vent, l'électricité des gens. Il y a le décalage horaire, 4 heures à Buenos Aires. Il y a ce drôle d'oiseau dans les airs, au-dessus de la mer. Il y a le décalage horaire, 8 heures en Angleterre. Mais il est quelle heure dans les airs? Un deux roues sur le périphérique, qui roulait dépasse le trafic. Parfum de cumin au carrefour, au milieu des tours. Chacun son réseau, chacun son réseau. Levé de drapeau, notre Eldorado. Et puis, le souffle du vent, l'électricité des gens. Et il y a le décalage horaire, 4 heures à Buenos Aires. Il y a ce drôle d'oiseau dans les airs, au-dessus de la mer. Il y a le décalage horaire, 8 heures en Angleterre. Mais il est quelle heure dans les airs? On suit le pendule, on suit les aiguilles. On est dans les temps, dans le trafic. On suit le pendule, on suit les aiguilles. Dans la cour des grands, sur le périphérique. On suit le pendule, on suit les aiguilles. On est dans les temps, dans le trafic. On suit le pendule, on suit les aiguilles. Dans la cour des grands, sur le périphérique. Il y a le décalage horaire, 4 heures à Buenos Aires. Il y a ce drôle d'oiseau dans les airs, au-dessus de la mer. Il y a le décalage horaire, 8 heures en Angleterre, mais il est quelle heure dans les airs? Ok. En ces temps un petit peu morose pour la culture, pour plein d'autres choses, on va essayer de se lâcher sur ce morceau-là qui s'appelle La Bonne Idée. Allez, on se lâche, on prend les faits, on prend le large d'une vie maussade, d'un monde trop vache pour rester là, à prendre une drache. Allez, c'est parti pour la vraie vie, un tour du monde, un peu de folie. Allez, de l'avant, au-devant des gens, de leurs différences, de leurs envies. Je me suis réveillé, bien plus riche que la veille, avec la bonne idée que la vie est une merveille. Non, ne jamais croire qu'on est le seul dans cette histoire. Et si nous allions plus loin pour voir les frontières qui nous séparent. Allez, on prend la mer, on quitte la terre et on efface ce monde amer. Allez, un coup de vent sur les idées trop arrêtées des gens. Et je me suis réveillé, bien plus riche que la veille, avec la bonne idée que la vie est une merveille. Non, ne jamais croire qu'on
on est le seul dans notre histoire. Et si nous allions plus loin pour voir les frontières qui nous séparent. Allez, nos différences sont la richesse, un fer de lance, une allégresse. Allez, tous nos langages peuvent exprimer une amitié, un monde en paix. Et je me suis réveillé bien plus riche que la veille, avec la bonne idée que la vie est une merveille. Allez, franchir le pas, passer la porte, tendre les bras. Allez, on n'oublie pas que tout pour soi, ça ne marche pas, c'est pas la joie. Mais je me suis réveillé bien plus riche que la veille, avec la bonne idée que la vie est une merveille. Oh, allez. Ok. Alors, bon, j'espère que le live vous plaît. J'espère que ça vous a plu. Je peux pas trop voir qui est en direct, malheureusement, et vous saluer ou répondre à vos questions ou discuter, échanger avec vous. Mais en tout cas, voilà, j'ai été très heureux de présenter mon nouvel album. Et j'aimerais terminer avec une chanson un peu particulière. On a, comme je vous le disais, avec mon équipe, la chance de voyager un peu partout dans le monde grâce au réseau des alliances françaises et des instituts français. Et je serais très heureux d'ailleurs de venir présenter Eldorado, mon nouvel album, à Valence et dans le réseau des instituts français espagnols. Et pour le morceau qui suit, c'est une rencontre avec l'Afrique. J'ai eu la chance d'aller jouer en Mauritanie, dans le réseau des alliances françaises de Mauritanie. Et ça a été très, très riche, très inspirant, très, très fort pour moi. J'ai découvert l'Afrique grâce à la Mauritanie et j'écris cette chanson qui parle de mon respect, de mon amour pour l'Afrique. Voilà, elle s'appelle L'étrangère. Alors sur l'album, elle est arrangée avec des choristes du Bénin et du Sénégal qui sont vraiment majestueuses. Et là, je vais vous le jouer juste en acoustique, comme il a été écrit dans le désert d'Atar. Souvent après les concerts, on est à l'hôtel, voilà, pour dormir. Et là, pour la première fois, on nous a fait dormir dans un camp en plein milieu du désert. C'était très silencieux, mais très inspirant. J'ai écrit cette chanson donc dans le désert d'Atar, au milieu d'une oasis. Ma chère, une place pour vous coule dans mon sang, des sentiments, une force, ma source, belle étrangère, l'héritière d'un monde devenu fou. Oh, oh, j'ai dans le creux de mon cœur une place pour vous. Oh, oh, j'ai dans mon cœur une fleur, c'est une pensée pour vous. À la belle étoile à Dakar, une nuit dans le désert d'Atta, j'entends d'ici vos tambours de ma cour. Oh, 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 j'ai dans le creux de mon cœur une place pour vous. Oh, 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 j'ai dans mon cœur une fleur, c'est une pensée pour vous. Oh, 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 oh.
Oh, oh, j'ai dans le creux de mon cœur une place pour vous. Oh, 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 j'ai dans mon cœur une fleur, c'est une pensée pour vous. Oh, 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 j'ai dans mon cœur une fleur et une place pour vous. Oh, 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 j'ai dans mon cœur une fleur, c'est une pensée pour vous. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce live. Merci. Oui, alors Benjamin, super, merci beaucoup pour ce super concert. Donc, je ne sais pas pour quelle raison tu n'arrives pas à voir tous les messages qui sont là inscrits. Est-ce que sur c'est un mystère. De ton écran, tu peux cliquer sur public peut-être ? Est-ce que tu vois quelque chose comme ça, toi ? Alors, allons-y. Public. Là, nous, sur notre écran, bon, bah, je te fais un petit résumé. Donc, volontiers, Laurence. Non, tu n'arrives pas à voir. Non, non, j'ai aucune option en fait sur mon écran. J'ai vraiment que l'écran et puis le live en fait. Voilà, mais j'ai pas d'option. C'est vraiment dommage. Donc, je veux quand même te signaler que nous étions plus d'une quinzaine donc connectés pour ton concert. Et surtout, ce super. Qui est super intéressant, c'est que tout le monde t'a applaudi, tu as des applaudissements de partout, la musique, ça fait du bien, ça donne du sens à tous ces jours. Il y a des gens de Berlin, bonsoir de Berlin, Caro, peut-être que tu connais. Voilà, donc il y a différentes personnes. Je suis déçue que tu ne puisses pas voir tous ces messages. Moi aussi, je suis très… c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir se connecter avec les personnes en ligne, effectivement. Oui, ben, franchement, je ne connais pas. Je connais pas la raison pour laquelle tu n'arrives pas à voir puisque tu as les mêmes possibilités que nous. Mais voilà, donc tu as énormément d'applaudissements, les gens ont adoré, c'est super, merci beaucoup Benjamin, je suis en train de te lire hein, tout ce qui est écrit, ça fait du bien un peu de musique, merci pour les paroles qui donnent du sens, excellente guitare. Ah oui, une personne avait demandé, est-ce que tu joues avec plusieurs guitares ou avec une seule guitare ? Alors, souvent, en fait, aujourd'hui, je présente le quatrième album, Eldorado. Souvent, sur chaque album, j'aime bien utiliser une guitare différente parce que voilà, c'est un son, une guitare, et puis on vit quelque chose avec cet objet. Et là, en l'occurrence, c'est une guitare avec une résonance et une esthétique latine parce que voilà, c'est un album qui va être caliente, qui va vraiment être dans cet esprit latin. Mais par contre, voilà, j'utilise que cette guitare sur scène, voilà. Mais je change selon les thématiques d'album, en fonction du son recherché. Et là, elle va m'accompagner sur toute la tournée prochaine, ouais. Parfait, parfait. Cette même personne avait aussi posé comme question, voulait savoir si tu faisais tes concerts tout seul. Mais bon, comme tu nous as dit tout à l'heure, tu as quand même une équipe et des musiciens, donc suivant tes lieux de. Bien sûr. D'accord. Ouais, tout à fait. On sera trois musiciens sur la prochaine tournée. Un percussionniste qui va justement apporter toute la rythmique avec quelques machines et puis des instruments aussi typiques de l'Amérique latine, dont le bombo, qui est un gros tambour venu de Buenos Aires, d'Argentine. Et puis plein de petits accessoires, voilà, pour colorer et arranger un peu le spectacle. Et puis un guitariste soliste. Moi, ne jouant que la rythmique à la guitare. Et voilà. Bon, ben, c'est super. En tout cas, tu as donné un peu de couleur à nos soirées. Puis à partir de 20h, nous sommes aussi confinés. Donc, voilà. Bon, en Espagne, c'est 22h. C'est un petit peu plus tard. Mais 22h, d'accord. On s'y approche. Enfin, bon. Je te remercie. Je suis ravi de ça aussi, à distance. Mais c'est merci mille fois. Laurence et à l'Institut français de Valence de continuer à maintenir un lien culturel, même si voilà, ça se fait à distance, mais on adapte un peu en fonction des outils qui sont les nôtres. Mais bon, le live et le physique manquent naturellement, mais je suis très heureux d'avoir passé cette soirée avec vous. Écoute, nous aussi, on te remercie infiniment. Et puis, on espère peut-être qu'un jour, tu seras
sur l'estrade de notre auditorium à Valentia. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. À très bientôt. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que le public a des questions? Là, a priori, plus personne nous pose de questions. Je suppose que tout le monde est ravi. Et puis, à très bientôt et merci d'avoir accepté ce live. Benjamin, au revoir. Merci Laurence, merci à tous. Bonne soirée, ciao. Merci beaucoup.